Bismillah, donc, let's go. La régulation hormonale. La régulation hormonale, tu as la sécrétion biliaire. Où je calque? Calque la présence d'aliments. Les aliments, la présence d'aliments. Qu'il y a des aliments, il y a plutôt le duodénum. Notamment de lipides au niveau duodénal. Les lipides. Deuxième, il y a plutôt le duodénum. Où je provoque? Elle provoque la libération de l'hormone CCK. C'est simple. Les lipides. Il y a la régulation hormonale, je mets hormone par des hormones. Quand la régulation nerveuse, par les nerfs, quand la régulation hormonale. Quand on a la régulation hormonale, la régulation nerveuse, dans la vie de l'effet, donc, qui est l'arco, les lipides, de diodénome, cela stimule, provoque la libération de l'hormone CCK, qui stimule la contraction de la vésicule biliaire et provoque le relâchement du sphincter. Les lipides l'arco, ils me dégradent, donc les cellules biliaires, regardez, ils me connaissent flore, ils me ulukainin fait diodénome. Donc, la vésicule biliaire, est-ce que tu contractes la relâche? Hadi hadi baina, blit contracte, la chiette con mamara, bêche, n'kharjouj kain fia, n'zéro aliha, tu contractes. Provoque le ou sphincter, sphincter ou alak le hadith li khli. باش البرودوي هذا كيدخل داخل ديودينوم لازم يتريلاشا دونك اي بروفوك لو ريلاشمون دي سفينكتر ها سي تري سام لا غاسترين جينيرالمون لا غاسترين تخدم كيما لا سي سي كا دونك لو ميم في لا غاسترين اي ان اجون ستيمولاتور دو لا فيدونج بيليير الفيب هذا كل يوم كونتر لا غاسترين كونتر لا سي سي كا لو فيب et les polypeptides pancréatiques sont déjà des agents inhibiteurs t'as les sécrétions biliaires inhibiteurs donc il y a la régulation hormonale ah schéma ben voilà bien duodénome qui l'arco les lipides acide gras sécrétion de la CCK t'as là CCK le sang donc le taux de la CCK le plasma est là. Donc, hein, stimule la contraction de la vésicule biliaire ou la relaxation du sphincter d'Oddi. C'est très simple. Donc, débit de la bile dans le cholédoque est là. Débit de la bile dans le duodénum est là. Où sera la dégradation des lipides? C'est très simple. Donc, la sécrétion pancréatique. Le pancréas. C'est. La sécrétion pancréatique, c'est la plus importante sécrétion digestive chez l'homme. La plus importante sécrétion digestive chez l'homme. Elle est estimée à 1,5 à 2,5 litres par jour. C'est une quantité très grande. Elle est importante. 1,5 à 2,5 litres par jour, la sécrétion pancréatique. La sécrétion est en maximale en période post-prandiale. Qui n'est que nous كيتر كي كملوا الماكلة ديريكت بوست برونديال فما تكون لا سيكريسيون بونكرياتيك ماكسيمال لا سيكريسيون بونكرياتيك ماكسيمال هذه حاجة باينة ديجا برك نروحو لا فونكسيون اندوكرين برك لا سيكريسيون اندوكرين برك تاع البونكريا الانسولين وكاع وقتاش الانسولين تكون ماكسيمال لا سيكريسيون تاعها كي تاكل تطلع لا غليسيمي اون بوست برونديال ديريكتومون ستيمول لا سيكريسيون بونكرياتيك اندوكرين Donc, est maximale. La sécrétion est en maximale en période post-prandiale. Le pancréas exocrine. Exocrine. Hein? Représente. Donc, on a l'exocrine. Représente. L'endocrine, l'exocrine. Représente 90% de la masse parenchymateuse. 90%. Chauffe. Pancréas exocrine a représenté 90% de la masse parenchymateuse. Qui est organisée en lobules. Fait des lobules. Qui est malécano. Et des acinies. Des acinies séparées par la pancréas exocrine. Des acinies, donc, je fais le rôle tahan, je fais le lobule, le rôle tahan. Séparées par des cloisons de tissu conjonctif lâche et drainées par des canaux. Donc, je fais. Ah, au schéma, il y a un. La structure du pancréas, je fais le domaire tamina, hein, en dérouleau, kbaro. Donc, عندك دي سيلول اكزوكرين هادو لي سيلول هادو هما لي اكزوكرين سيكريت دي زونزيم وهادو لي سيلول تاع لو كانال هذا سيل دو كوندوي هادو هما لي سيكريتيونا البيكربونات
هذو سكرتي من البيكربونات، هذو صغار كذا يا دي سيل ابيتال، وهذو الكبار هذو سكريت دي زونزيم. شوفوا كيش علاش عبالكم بلي لي زونزيم سون دو ناتور بروتيك، دونك لي سيل كي سكريت دي زونزيم يكون عندهم كيما نقولوا يكون عندهم ان اباري دو جولجي ديفلوبي، يكون عندهم كلش عندهم يكون ديفلوبي هنا، بخاطر الاستنساخ لا ترانسكريبسيون ولا تراديكسيون يكونوا يصراو بزاف وكاع، دونك تكون غيش شو شعل كبيره. وهذه السكريت لا بيكربونات، لا بيكربونات هي غير يجي تلحق الماكله، غير تلحق الماكله من الاستوما، تكون اسيد، تكون اسيد، تكون لاصقه فيها بزاف اسيد، دونك يرشها كما نقولوا بالبيكربونات باش يخلص يرجعها ماشي اسيد، باش يخلي لي زونزيم يخدموا، خاطر هما ما يخدموش في اون اسيديتي عاليه. دونك هام لي سيريل هذو الصغار باينه بلي سيكل بيكربونات، وها الكبار سيكريتيو لنا لي زونزيم، خاطر لي زونزيم سون دو ماتير بروتيك. و سير اندوكرين هذو تاع لي زيلو دو لانجيرهانس، كومبوزيسيون دو لا سيكريسيون بانكرياتيك. كومبوزيسيون واش فيها؟ لا سيكريسيون بانكرياتيك واش فيها؟ لو سيك بانكرياتيك ايت ان ليكيد انكولور الكالين، انكولور تسمى كيما الماء شفاف هكذا نقول الكالين، الكالين باينه باينه بلي الكالين، خاطر لوكيم غاستريك هو يجي اسيد، دونك لازم يكون الكالين هذا باش ينقصوا الاسيد تاعو. جلوبالمون ايزوتونيك بارابور او بلازما، كيما البلازما il contient de l'eau, il contient de l'eau et l'eau électrolyte, mais le plus important c'est le HCl, c'est autrement le bicarbonate homa les plus importants. علاش كيما قلنا باش pour la neutralisation du chyme gastrique qui يلحق من الاستومه كي يدخل الديودينوم، بيكربونات هما اللي نحولوا لاسيديت تاعو، واللي بيكربونات شفناه باش سينتيزي donc je vous dis même les et des enzymes. Le bicarbonate permet de la neutralisation du chyme gastrique, permettant ainsi l'action des enzymes pancréatiques. Kevej bicarbonate est nahi les enzymes pancréatiques ils خدموا غير عن une acidité alcaline زي ما نقولوا، ما يخدموش l'acidité qui est quand elle a بزاف ما يقدروش يخدموا، donc لازم la neutralisation باش بالبيكربونات، permettant ainsi l'action هذه بنسى واش رانا toujours la sécrétion pancréatique. Bicarbonate sécrété par le pancréas. Ou bâche les enzymes pancréatiques, il y a des la sécrétion pancréatique est assurée. Pêche, elle est assurée par des cellules acineuses. Synthétise et libère des enzymes. Hum, les cellules acineuses. Semaine à demain. Adoma, les cellules acineuses. Synthétise, je suis à synthétise et libère des enzymes. Synthétiser les des enzymes, des cellules épithéliales, des canaux qui assurent la sécrétion aqueuse alcaline. Hum, les cellules épithéliales, des canaux. Hadouma, chauve à l'arc. Hadouma, les cellules sécrétées ou la bicarbonate. Cellules épithéliales, des canaux. Donc, les acides sont drainés par des ductules pancréatiques qui fusionnent pour donner le canal excréteur principal. Le canal de Wilson هذا تاع باينه تاع لو بونكريا كي سو جيت دون لو ديودينوم افيك لا فوا بيليا برينسيبال، لا بيل ثاني عندها ان كانال، كانال دو كوليدوك كي تلاقى الكانال دو ويرسونغ و لو كانال دو كوليدو كي تلاقى وين في لو ديدونوم في الدخله تاع لو ديدونوم، لومبول باغ لومبول دو واتر كوموندي باغ لو سفينكتير دودي. هذا الزوج لو كانال دو ويرسونغ بونكرياتيك و لو كانال دو كوليدو دو لا فوا بيليار برينسيبال يتلاقاو في اون لومبول اسمها لومبول دو واتر، هذه لي باغ لو سفينكتير دودي. هذا السفينكتير دودي وين جاي؟ جاي في الدخله تاع لو ديودينوم، جاي في الدخله تاع لو ديودينوم به هو، وكان يتريلاكسا يدخلوا لي سيكريسيون بونكرياتيك بيليا، وكان ما يتريلاكساش يقعد كونتراكتي ما يتفتحش، دونك ما كاش ما يدخلش ما يدخل حتى حاجه. دونك لا سيكريسيون بيليا لا سيكريسيون بونكرياتيك واش فيها؟ فيها انزيم بروتيوليتيك، انزيم بروتيوليتيك. لو بونكريا اي لوغان، شوفوا باش ما تلفلكمش، لا سيكريسيون بيليا ما فيهاش لي انزيم، بالتالي لا سيكريسيون بيليا ما فيهاش لي زونزيم، لا سيكريسيون بانكرياتيك هي اللي فيها لي زونزيم. سيكريسيون بيليا
فيها لي سلبيليا. هنايا شوف واش عندك، عندك لي زونزيم بروتيوليتيك، عندك دي زونزيم بروتيوليتيك معناتها بروتيو محسوب كي ديغاد لي بروتيين. لو بونكرياس اي لورغان كي برودوي لو بلو دو بروتيين بار غرام دو تيسي، هو لي هو لي البرودوي لو بلو دو بروتيين بار غرام دو تيسي. دونك 6 ا 6 ا 20 غرام بار جور كي سون بور لا بلوبار دي زونزيم. Les protéines, la plupart sont des enzymes. Et, rôle fondamental dans la digestion des aliments. Ces enzymes sont sécrétées sous forme de pro-enzymes. Si je mets pro-enzymes, un des pro-enzymes, un des enzymes. Pro-enzymes ou enzymes inactifs. Mais ce qui est synthétisé, il est inactif. Les aliments sont activés parce que la cellule fait absorber soit le donateur protéique ou qu'il est synthétisé ou actif. Activement, qui est synthétisé avec direct des enzymes actifs, il est réellement. Peut-être dégradé ou la cellule qui m'a dégradé ou donc il synthétise sous forme inactive de proenzymes afin de ne pas digérer les cellules qui les produisent. Hein, c'est très simple. Les trois principaux enzymes sont le trypsinogène inactif, hein, inactif sera activé au niveau du duodénum. Hein, le trypsinogène inactif, oui, synthétisé au niveau du pancréas. Ben, il y aura le canal de Wilson. On m'a dit la caméra l'autre, il est dans le duodénum, il est activé au niveau du duodénum par l'entérokinase. L'entérokinase, il est activé dans le trypsinogène inactif win au niveau du duodénum. Entéro, je m'attends entéro. Alors, on a l'intestin. Kinase, ça veut dire une phosphorylation. Kindou, la phosphorylation, c'est le trypsinogène inactif au niveau du duodénum. Et où il est actif, phosphorylation de trypsinogène inactif dans la trypsine active. Dans la trypsine active, oui, la trypsine, oui, la trypsine active, oui, le duodénum. Le pancréas, c'est sécrété dans la trypsinogène inactive. Le duodénum, par les entérokinases, ou chez la phosphorylation, tous les trypsines actives. Cette dernière active plus de trypsinogènes. Une fois activée à Wahda, تكتيفي صحابتها تقول لهم او اتس تايم اتس تايم تو ستارت. دونك تكتيف با اوتو كاتاليز اي اكتيف لو ريست دي برو انزيم. شتو وحده تكتيفا تريبسيونجين ان اكتيف نينجيم بنكرياس تروح تدخل ديودينوم تروح عند لي زونتيروكيناس تصير لها فوسفوريلاسيون تولي تريبسين اكتيف. تريبسين اكتيف تكتيفي تكتيفي لي تريبسينوجين صحابتها اللي ماهمش اكتيف. هي راحت ولات اكتيف مي صحابتها ماهمش اكتيف دونك تكتيفيهم يوليو اكتيف. اوتوكا لي غاز دي بروونزيم ماشي تكتيفي غير زعما النوع هذا تاع تريبسينوجين بالك تكتيفي تكتيفي ثاني لي بروونزيم تاع لي ليبيد لي بروونزيم مهم تكتيفي. دونك لو كيمو تريبسينوجين اي اكتيفي اون كيمو تريبسين. Le chymotrypsinogène est activé en chauffe-icône chymotrypsinogène. Chymotrypsinogène, qui aura le duodénum, il va être activé en chymotrypsine. La procarboxypeptidase est activée en carboxypeptidase. La chymotrypsine pro-kinlkawa, donc il est sous forme inactive. L'inhibiteur de la trypsine bloque l'action de la trypsine en cas, finalement, une activation spontanée prématurée. Du trypsinogène dans le pancréas. Une fois il sera un problème, le trypsinogène est activé au niveau du pancréas alors qu'il faut qu'il va être activé au niveau du duodénum. Donc, ce sera une alerte. Donc, classe. Parce que c'est grave. Donc, le pancréas il dégradera au lit. Donc, elle va être inhibée. L'inhibiteur de la trypsine bloque l'action de la trypsine en cas d'activation spontanée prématurée du trypsinogène dans le pancréas. Ces enzymes protéolytiques hydrolysent les protéines. Bien sûr, elles sont protéolytiques, hydrolysent les protéines, des peptides et quelques acides aminés. Ah, le pancréas, il me donne des enzymes inactives, il me donne ماشي غير البنكرياس ما مدناش غير لي تريبسينوجين. تريبسينوجين سبيسيال لي بروتيين مي مدنا دوتر انزيم انكتيف قلناهم الفوق. دونك مدنا دي انزيم انكتيف مدنا دي تريبسينوجين كي اون فوا يروح لي دينوم كاين لي زونتيروكيناز لي على ممبران واش يمدو يفوسفورينو تريبسينوجين
تو لتر تريبسين، هذه لا تريبسين كما قلنا دير اوتو كاتاليز تي تاكتيفي صحابتها لي تريبسينوجين باش يوليو تريبسين، وتزيد ثاني الباكتيفي لي زونزيم ان اكتيف ترجعهم اكتيف وين في لاليميير انتستينال. هم لي سيلول ايبيديليا. دونك عندنا ان اوتر تيب دونزيم لي زونزيم اميلوليتيك. اميلوليتيك سي لاميلاز بونكرياتيك. عندنا لاميلاز ساليفير وعندنا لاميلاز بونكرياتيك. L'hydrolyse l'amylase l'hydrolyse les glucides, on obtient des dextrines et du maltose. L'amylase pancréatique maintenant dextrine et du maltose. Elle est sécrétée sous forme active les enzymes amylolytiques, mais qu'est-ce qu'il y a de chose grave. Donc, ils sont sécrétés directement sous forme active. Les cellules sécrétées ne contiennent pas de polysaccharides. Mais fiez-vous des polysaccharides. Non, on a déjà on a flammé là. Voilà. Ben, il y a des polysaccharides parce que de l'amylase pancréatique hydrolyse les glucides et des dextrines et des maltose. Les enzymes lipoprotéiques dégradées ou les lipides, la lipase sécrétée sous forme active. Elle est sécrétée sous forme active, mais donc tu vois, hydrolyse les triglycérides pour obtenir des acides gras. Triglycérides, et maintenant des acides gras et des monoglycérides. Triglycérides, ou je m'appelle triglycérides, glycérol, lié à trois acides gras. Estérifié par trois acides gras. Il me dit que triglycérides, il me dit que le cas, ou je m'appelle triglycérides, lipase, ou je m'appelle glycérol, lipase, ou je m'appelle deux acides gras, ou je m'appelle un monoglycéride, un glycérol lié à un acide gras. Donc, son cofacteur est la colipase, sécrétée sous forme de colipase inactive. Elle est activée par la trypsine. Surtout, la lipase est sécrétée sous forme active, mais le cofacteur taha, la colipase est sécrétée sous forme prolipase inactive. Donc, les amis, activer ça, puis activer. Donc, le procolipase est activée par la trypsine. La trypsine, quand on a une trypsinogène, la trypsinogène est activée par les cellules épithéliales entérokinases. دارت فوسفيلاسيون تاع التريبسينوجين ولا التريبسين وين في الديودينوم وين هو اكتيف لنا لا بروكوليباز انكتيف لا بروكوليباز انكتيف كي تاكتيفات ولا كو فاكتور اكتيف راح يلصق مع لا ليباز لا ليباز ومدو لنا ويدير لي في تاعو عندك لا فوسفوليباز ا دو سيكريتي سو فورم دو بروفوسفوليباز انكتيفي. La majorité, parce que chauffe la cellule a une membrane plasmique, les phospholipides ou bien les protéines. Donc, oui, la trypsine, qui est un trypsinogène, bah, tel le diodénome, avec les entérokinases, phosphorylation de la trypsinogène, ou la trypsine, ou trypsine active les autres. Hydrolyse les phospholipides. La phosphorylase a été sécrétée sous forme de prophospholipase inactivée, activée par la trypsine, hydrolyse les phospholipides. C'est-à-dire, je me donne un lysophospholipide plus un acide gras. Phospholipase A1, phospholipase A2, me donne un lysophospholipide plus un acide gras. La carboxylique ester hydrolase, qui agit sur des esters du cholestérol et des vitamines liposolubles produites sous forme active. Mais une catastrophe qui est active. Indique la régulation de la sécrétion pancréatique. La régulation, qui est une régulation nerveuse ou qu'une régulation hormonale. Les stimulations nerveuses, mécaniques et chimiques provoquant au niveau diodénal et géogénal la libération d'hormones digestives qui stimulent les cellules acineuses pancréatiques. Le contrôle est surtout hormonal. Les stimulations nerveuses, mécaniques et chimiques provoquant au niveau diodénal et géogénal, la libération d'hormones digestives. Stimulation nerveuse,
hormone digestif, qui stimule les cellules acinées pancréatiques. Les cellules acinées pancréatiques, aussi dire, sécrètent les enzymes, ou les cellules pancréatiques sécrètent le bicarbonate. Le contrôle est surtout hormonal. Le contrôle est surtout hormonal. Donc, quand je fais le contrôle, c'est hormonal, il est surtout, réguler la sécrétion pancréatique. La régulation hormonale, l'arrivée de l'acide d'iodénome, ah, l'acide seulement, l'arrivée de l'acide d'iodénome provoquant la libération de la sécrétine. C'est très important. L'acide qui dit l'iodénome, il va provoquer la libération de la sécrétine. C'est la sécrétine qui stimule les cellules canalaires, les canaux. D'où sécrétion pancréatique alcaline de volume important qui a pour rôle de tamponner le chyme gastrique. Voilà. Donc, chauffe l'acide. L'acide, il a le duodénum. L'acide qui a le duodénum. L'acide qui a le duodénum, il va provoque la libération de la sécrétine, elle est synthétisée au niveau du duodénum, provoque la libération de la sécrétine. La sécrétine qui te libère, elle va stimuler les cellules canalaires, les canaux, les cellules épithéliales. Donc, le pancréas il va sécréter un volume très important de bicarbonate qui a pour rôle de tamponner le chyme gastrique. Le chyme gastrique est un acide, et oui, mais c'est acide à l'aise. Donc, la sécrétine stimule les cellules canalaires, mais si c'est le bicarbonate, donc le chyme gastrique, elle va le neutraliser, donc tu as l'acidité de ou donc il peut retenir les enzymes normales. Donc, maintenant, c'est la sécrétine, oui, qui est l'acide, la sécrétine, mais on a qui est la protéine ou la lipide, on a qui est l'acide, la sécrétine, qui est l'acide, la sécrétine, stimule les cellules canalaires, bicarbonate. Tamponation du chyme gastrique. L'arrivée des protéines et des lipides au duodénum. Ah, donc, deuxième cas, c'est l'acide. Mais maintenant, l'arrivée des protéines et des lipides au duodénum provoque la libération de la CCK. Ah, maintenant, tu peux te la sécrétine. Maintenant, c'est la CCK. Donc, qui va stimuler les cellules acineuses. Elle a stimulé les cellules canalaires. Les cellules canalaires sécrètent un bicarbonate. Mais maintenant, elle va stimuler les cellules acineuses. Les cellules acineuses, elles vont aller au macasmen, kbar, et au chidéro. Sécrétion enzymatique. Donc, d'où sécrétion pancréatique du volume réduit, riche en enzymes. D'accord? Riche en enzymes. La CCK stimule la sécrétion enzymatique, bien sûr, parce qu'elle est criée kbira, donc benabli, sécrétion des protéines. Soit par action directe. Et qui fait la CCK? Stimule la sécrétion enzymatique. Elle a deux actions, soit une action directe, soit une action indirecte. L'action directe sur les cellules acineuses, directement, les cellules acineuses, donc libère les enzymes. Soit par action indirecte. On stimule les afférences vagales, les nerfs vagues. Puis une réponse cholinergique, mais sur acétylcholine, s'exerce sur les cellules acineuses. Une réponse cholinergique s'exerce sur les cellules acineuses, mais chez sécréter les enzymes directement. Donc, directement, direct, CC4, les cellules acineuses, sécrétion des enzymes. Indirect, stimuler le nerf vague en mode réponse cholinergique à acétylcholine s'exerce sur les cellules acineuses. Ma gastrine. La gastrine a les mêmes effets que la CCK. Ou la CCK, vous dites? La CCK stimule la sécrétion acineuse, des cellules acineuses, mais c'est enzymatique. Donc, la gastrine a les mêmes effets que la CCK. Elles sont presque la même structure, mais à moindre degré. Elle stimule la libération d'enzymes. Elle stimule la libération d'enzymes. Bien, qui m'a la CCK. C'est la sécrétine, c'est très lourd, qui quitte l'acidité. T'activines les cellules canaliculaires, sécrétion de bicarbonate, neutralisation du chyme gastrique. C'est la CCK ou la gastrine, non. C'est stimule les cellules acineuses, sécrétion enzymatique. Le glucagon et le somatostatine inhibent la sécrétion pancréatique. Le glucagon et la somatostatine inhibent la sécrétion pancréatique. Le glucagon et la somatostatine inhibent la sécrétion pancréatique. La somatostatine généralement, elle est toujours un rôle inhibitrice.
Et donc le glucagon et la somatostatine, donc un rôle, inhibe la sécrétion pancréatique. Acide provenant de l'estomac, intestin grêle, sécrétion de la sécrétine, oui, sécrétine plasmatique augmente, les sécrétions de bicarbonate, oui, débit de bicarbonate dans l'intestin grêle augmente. Donc, neutralisation de l'acide intestinal. On m'a dit qu'il sera en neutralisation. Donc, un feedback négatif. Donc, la sécrétion de la sécrétine. Donc, qui classe de gaz l'acide aminé intestinal, la sécrétion des CCK, les enzymes de CCK plasmatique augmente la sécrétion des enzymes par le pancréas. La sécrétion des enzymes par le pancréas. Si c'est cas pancréas sécrétion des enzymes. Débit des enzymes dans l'intestin grêle est là. Digestion des graisses et des protéines. Intestin grêle, sécrétion de la CCK, CCK plasmatique est là. Le pancréas sécrétion des enzymes est là-haut. On m'a débit des enzymes dans l'intestin grêle, il est là. La CCK est sécrétée par l'intestin grêle. On m'a trait le sang, mais le sang, le pancréas, les sécrétions des enzymes, dites. On m'a des enzymes, il y a du l'intestin grêle, digestion des graisses et des protéines. Régulation hormonale de la sécrétion enzymatique pancréatique. Régulation nerveuse. Le système nerveux autonome a un effet modulateur de la réaction endocrine. Le système parasympathique participe à la stimulation en synergie avec la sécrétine et la CCK. Le système sympathique est inhibiteur du fait de la vasoconstriction et de la diminution du débit sanguin pancréatique. Bien, la parasympathique va favoriser la digestion. Mécanisme de contrôle, la stimulation de la sécrétion pancréatique est liée à la prise de repas. Prise de repas, stimulation de la sécrétion pancréatique. En dehors de repas, la sécrétion pancréatique est faible. Mais pendant le repas, là, en postprandial, la sécrétion pancréatique comme élevé. La stimulation réponse à la vue, l'odeur et le goût des aliments. Elle représente 30% des sécrétions maximales. But juste, tu bains hakda ou tu me hajab hakda bien. 30% t'as les sécrétions donc et sous le contrôle du nerf vague. Phase gastrique essentiellement terminée par la distension gastrique. Mais sauf qui te l'a l'estomac tous à l'estomac donc ma de la sécrétion. Des réflexes impliquant le nerf vague sont mis en jeu. En continue, phase intestinale, il y a la plus importante. Continue acide duodénum, acide qui est le duodénum, sécrétion de la sécrétine, stimule la sécrétion de bicarbonate. Acide aminé et acide gras dans l'intestin, sécrétion de la CCK, stimule la sécrétion enzymatique. La vidange gastrique déterminée. De déterminer l'intensité et la durée de cette stimulation. Donc, j'espère, inshallah, en tout cas. Donc, à une autre vidéo. See you later.